toujours difficile de gagner des matchs, et encore plus en début de saison. Nous avons eu un bon résultat à Ajaccio, nous avons un bon résultat ce soir. Tout n'est pas parfait, mais c'est 6 points. Oui, c'est de bon augure. On vient de jouer 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé. Voilà, ce sont des éléments importants, ce sont les bases sur lesquelles nous devons travailler tout au long de la saison, même si, je le répète, tout n'est pas parfait et qu'il va falloir s'améliorer encore et encore. Mais ces matchs-là nous permettent, et ces résultats-là nous permettent de travailler dans la sérénité. Ça nous met dans de bonnes conditions pour préparer ce dernier tour préliminaire avant de rentrer dans les poules de l'Europa League. C'est un objectif clairement défini, qui a été clairement défini en fin de saison, et j'en avais parlé même pendant la préparation. Il faudra, dans cette double confrontation, aller chercher de la qualification, et sachant qu'il restera aussi 2 matchs de championnat pour clôturer ce début de saison, avec un déplacement à Lille, déplacement difficile, avec une réception de Bordeaux. Après, il y aura cette coupure internationale où on va essayer de faire récupérer les organismes. Mais...